Je dois faire un test de son. Test 1, test 2. Bonsoir, bonsoir. 1, 2, 1, 2. Perdre du tour. Okay. Parfait, merci. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette 517e séance ordinaire du Conseil municipal de Val-d'Or qui se tient en ce 15 janvier 2024 à 19h30. Alors, il y a de l'écho. Juste pour vous rappeler que c'est diffusé sur la page Facebook de la Ville, ainsi qu'en différé sur notre site web. Alors, je vais tout de suite prendre une proposition. Moi ou mon micro?
par là. Merci. Alors, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais faire ça, Mme la mairesse. Donc, que l'ordre du jour de la 517e séance ordinaire du Conseil municipal de Val-d'Or, tenu le lundi 15 janvier 2024 à 19h33, au lieu habituel des délibérations est diffusé sur la page Facebook de la Ville ainsi qu'en différé sur son site Web, soit et est adopté avec les modifications suivantes. Donc, il y a le retrait du point 9.3, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 1272 7e rue. J'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Turcotte, et ce sera appuyé par… Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Lavoie. Alors, à l'item 2.1, il s'agit d'une résolution pour l'approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenu le 18 décembre 2023. Ça sera proposé par… Par moi, Mme la mairesse, alors que le procès-verbal d'une séance extraordinaire du Conseil municipal de Val-d'Or, tenu le lundi 18 décembre 2023 à 19h30 au lieu habituel des délibérations, est diffusé sur la page Facebook de la Ville, ainsi qu'en différé sur son site Web, soit et approuvé tel que rédigé. Alors, il s'agissait, Mme la mairesse, de la présentation du budget. Conformément à l'article 333 sur la loi sur les cités et villes, la lecture de ce procès-verbal par la greffière n'est pas nécessaire, puisqu'une copie du projet a été remise à chacun des membres du conseil municipal au plus tard 2 jours juridiques avant la tenue de la présente séance. Tous déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je vous remercie, M. Saint-Jules, et ce sera appuyé par… J'appuie cette proposition, Mme la mairesse. Merci, Mme Laverdière. Alors, à l'item 2.2, il s'agit… L'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue aussi le 18 décembre 2023. Ça sera proposé par… Par moi aussi, Mme la mairesse. Alors, c'est une séance ordinaire consécutive à celle de la présentation du budget. Alors, je propose que le procès-verbal de la 516e séance ordinaire du Conseil municipal de Val-d'Or, tenue le lundi 18 décembre 2023 à 20h08 au lieu habituel des délibérations, est diffusé sur la page Facebook de la Ville ainsi qu'en différé sur son site Web, soit et est approuvé tel que rédigé. Et ce, conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la lecture de ce procès-verbal par la greffière n'est pas nécessaire puisqu'une copie du projet a été remise à chacun des membres du conseil municipal au plus tard 2 jours juridiques avant la tenue de la présente séance. Tous déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je vous remercie, M. Saint-Jules, et ce sera appuyé par… J'appuie également cette proposition, Mme la mairesse. Merci, Mme Laverdière. À l'item 3.1, il s'agit d'un dépôt de certificat dressé à la suite de la période de réception des demandes écrites de scrutin référendaire concernant les règlements d'emprunt 2023-37 et 2023-43. Les certificats établis à la suite de la période de réception des demandes écrites du scrutin référendaire tenu du 8 au 12 janvier 2024 inclusivement… Concernant les règlements d'emprunt 2023-37 et 2023-43, sont déposés par la greffière conformément à la loi. Le nombre requis de demandes n'ayant pas été atteint, ces règlements sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter. Alors, nous sommes maintenant à la rubrique 3.2. Il s'agit de l'adoption du règlement 2023-39, urbanisme et zonage, concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé par le règlement 356.1-08-22 de la MRC de la Vallée de l'Or. Ce sera proposé par… Alors, ici, on est rendu à la dernière étape. Alors que le règlement 2023-39 amendant le plan d'urbanisme adopté en vertu du règlement 2014-13 ainsi que le règlement de zonage 2014-14 afin d'assurer leur concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Hébert, et ce sera appuyé par… Par moi, Mme la mairesse. Je vous remercie, M. Turcotte. Alors, à 3.3, il s'agit de la même adaptation de règlement. Par contre, c'est concernant le règlement 356.2-08-22, encore de la MRC de la Vallée de l'Or. Ce sera proposé par… Alors, c'est la même chose que pour 3.2, c'est la dernière étape, et c'est pour la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC. J'en fais la proposition. Merci, Mme Hébert. Ce sera appuyé par… Par moi, Mme la mairesse. Merci, M. Rodrigue. À 3.4, le règlement, cette fois-ci, c'est le règlement 2023-41,
Et c'est pour la concordance au schéma d'aménagement par le règlement 297-10-14, la MRC Vallée-de-l'Or pour les secteurs de Vassan et Sullivan, que ce soit adopté tel que rédigé. J'ai tout lu ça, moi. OK, alors c'est proposé par… Je mets 203. Alors, c'est pour assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC et plus spécifiquement pour les secteurs de Vassan et de Sullivan. Merci, Mme Hébert. Et ce sera appuyé par… Je vais appuyer. Merci, M. Lavoie. À 3.5, adoption du second projet de règlement. Là, c'est le second projet pour le règlement 2023-42, urbanisme et zonage. Concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé par le règlement 297-10-14 de la MRC. Il s'agit du secteur de Valsenville. Ce sera proposé par… Alors, ce second projet, c'est de rendre le périmètre urbain de Valsenville conforme au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC et de tenir compte de la mise en place de réseaux de services et de d'épuration des eaux usées. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Hébert, et ce sera appuyé par… Par moi, Mme la mairesse. Merci, M. Saint-Jules. Nous sommes… Item 3.6. Alors, il s'agit ici de l'explication par la mairesse sur le projet de règlement 2023-44 et consultation des personnes et organismes désirant s'exprimer sur le sujet s'il y a lieu. Alors, le projet de règlement 2023-44 vise à amender le règlement de zonage 2014-14 dans le but de fixer à 3 plutôt qu'à 2 le nombre d'étages maximal autorisé à l'intérieur de la zone 351 CV, centre-ville, secteur de Sullivan, ainsi que d'y autoriser spécifiquement l'usage HK multifamilial 6 logements et plus. L'objet de ci règlement est tel que ci-dessus mentionné. Il vise à autoriser la construction de logements supplémentaires dans un contexte de rareté de logements. Ce projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressés des zones visées et des zones contiguës afin qu'un règlement qui les contient soit soumis à l'approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Pour être valide, toute demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient. Être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 8e jour suivant la date de publication de l'avis public, être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. Toutes les dispositions du second projet qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. Alors, moi, il me reste aussi à mentionner que s'il y a quelqu'un, une personne ou un organisme qui est présent à l'Assemblée ce soir et désire s'exprimer sur le projet que je viens d'expliquer, vous êtes invité à vous lever, à vous diriger au lutrin, vous identifier et nous faire part de vos commentaires. Alors, il n'y a personne. On va continuer. Je m'excuse mon micro, mais je n'y touche pas, puis il va tout croche. Je m'excuse. Alors, maintenant, à 4.1, autorisation de signature d'un acte de cession par Géomatique Vincent et Associés Incorporés de 3 lots en complément à l'emprise du chemin de la mine-école. Ce sera proposé par… Je vais faire la proposition, Mme la mairesse, que la mairesse ou le maire suppléant, ainsi que la greffière ou maître Annie Lafond notaire, soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la ville un acte de cession à titre gratuit à être consenti par Géomatique Vincent et Associés Incorporés en faveur de la ville des lots 6 598 412, 6 598 413 et 6 598 414 du cadastre du Québec en complément de l'emprise du chemin de la mine-école ainsi que tout document nécessaire pour donner plein effet aux présentes résolutions. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Merci, M. Rodrigue.
Alors, ce sera appuyé par? Je vais appuyer Mme la mairesse. Merci, Mme Morin. À 5.1, il s'agit d'une résolution pour la reconnaissance d'organismes et d'autorisation de versement de subventions allouées pour l'année 2024. Ce sera proposé par? Alors, attendu qu'à chaque année, la Ville de Val-d'Or reçoit diverses demandes de reconnaissance et de soutien de la part d'organismes sans but lucratif du milieu dans le cadre de l'étude budgétaire, ces demandes sont analysées par un comité qui en recommande l'accréditation et le type de soutien offert aux critères énoncés à la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes adoptés par le Conseil. Le Conseil municipal a accrédité divers organismes pour les années 2023, 24, 25 pour 3 ans et de nouveaux organismes ont procédé à une demande et doivent donc être accrédités pour les 3 prochaines années, 2024, 2025, 2026. Le Conseil est d'accord avec une partie des recommandations du comité visant la reconnaissance des organismes et l'attribution des sommes de l'enveloppe budgétaire 2024, mais que d'autres demandes doivent être réanalysées et que d'autres attributions pourraient en découler. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Hébert, et ce sera appuyé par… Je vais appuyer Mme la mairesse. Merci, Mme Morin. À 5.2, on parle ici de l'approbation de la liste des salaires versés et comptes à payer pour le mois de novembre 2023. Ce sera proposé par… Donc, je vais en faire la proposition que la liste des salaires versés ainsi que les comptes payés et à payer pour le mois de novembre 2023, totalisant 7 699 150, notre certificat de crédit est suffisant, soit et est approuvé tel que préparé. Et habituellement, je vous ressors quelques éléments. Donc, 2 chèques ont été émis pour finaliser la rue Bouchard à construction Ubique, totalisant les 2 chèques ensemble, 859 022. Sinon, on a aussi un décompte pour le projet de trottoir et bordure qui a été donné à Norascon cette année pour 674 225. Et quelques dépenses également que j'ai soulevées pour l'Arena Kiwanis, donc soit à Trême-Nord, 331 688, et installation Agora, 217 872 pour les bandes, entre autres. J'en fais la proposition. Merci, Mme Morin. Et ce sera appuyé par? Appuyé par moi, Mme la mairesse. Je vous remercie, M. Rodrigue. À l'item 5.3, il s'agit d'une résolution pour l'autorisation à présenter une demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du volet 2 du programme d'aide aux infrastructures de transport actif. Le programme s'appelle Vélos 3. C'est un programme, oui, Mme la mairesse, qui vise à soutenir le développement, l'amélioration de l'entretien d'infrastructures de transport actif afin de promouvoir ce type de déplacement, d'encourager le tourisme durable, d'améliorer le bilan routier, de contribuer à la prévention en santé, de réduire les émissions de GES causées par le déplacement des personnes. Donc, le conseil municipal a pris connaissance de ce programme Vélos 3. Et elle désire obtenir une contribution pour le projet d'aménagement de la piste cyclable de la 7e rue entre la voie ferrée et la 6e avenue. Donc, on est là devant le centre Inco-Eagle. Il s'agit d'un projet qui est estimé à 313 663 et l'aide financière demandée au ministère est donc la moitié de 156 831. Donc, la Ville doit autoriser le dépôt de la demande d'aide financière et en conséquence, il est proposé que le conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif Vélos 3. Le conseil municipal confirme son engagement à faire réaliser le projet municipal selon les modalités en vigueur, connaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière pourrait être résiliée. Et il autorise Alexandre Roy, ingénieur municipal, à signer pour et en son nom tout document entente, incluant la convention d'aide financière, avec la ministre des Transports et de Mobilité durable, ainsi que tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. J'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Gagné. Ce sera appuyé par… Je vais appuyer Mme la mairesse. Merci, Mme Morin.
À l'item 5.4, une autorisation à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2024. Ce sera proposé par… Je vais en faire la proposition. Donc, le programme Emploi d'été Canada fait partie de la stratégie Emploi et compétences jeunesse du gouvernement fédéral. La Ville désire présenter une demande de subvention pour l'édition 2024 de ce programme. Que le Conseil autorise les services des ressources humaines à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Emploi Été Canada pour l'embauche d'étudiants pour la période estivale sur son territoire et que Mme Marie-Michèle Desputeaux, agente de service des ressources humaines ou sa représentante légale, est désignée mandataire et autorisée à signer et à soumettre pour et au nom de la Ville cette demande d'aide financière ainsi que tout autre document requis. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Morin. Ce sera appuyé par… Comment, Mme la mairesse. Merci, M. Gagné. Alors, à l'item 5.5, il s'agit d'une autorisation à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme Soutien à la mission du Conseil des arts et des lettres du Québec. Ce sera proposé par… Je vais en faire la proposition. Donc, attendu que le service culturel est soutenu dans la réalisation de l'ensemble de ses activités liées à la mission artistique par le Conseil des arts et des lettres du Québec, qu'on surnomme Calque, dans le programme de son soutien, de son programme qui s'appelle Soutien à la mission. Donc, attendu que la Ville de Val-d'Or désire déposer au Calque une nouvelle demande d'aide financière pour les 4 prochaines saisons de programmation culturelle. Donc, que Stéphanie Poitras, coordonnatrice à la programmation culturelle ou sa représentante légale, soit désignée mandataire et autorisée à signer et à soumettre au Calque, pour et au nom de la Ville, cette demande d'aide financière ainsi que tout autre document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Laverdière. Ce sera appuyé par… J'en fais l'appui. Merci, M. Lavoie. À l'item 5.6, autorisation à présenter un projet dans le cadre du programme de prévention de la délinquance par les sports, les arts et la culture. Ce sera proposé par… Je vais en faire également la proposition, Mme la mairesse. Donc, attendu qu'afin d'obtenir une aide financière, la Ville désire présenter son projet Bulle de protection, lequel cible spécifiquement les adolescents de 12 à 18 ans en situation de vulnérabilité et consiste en, d'abord, l'élaboration d'un programme d'activité autour de la création numérique et du jeu, l'embauche de 2 intervenants pour faire de l'intervention auprès des jeunes sur le terrain, ainsi que la formation auprès des employés de la bibliothèque, ainsi qu'une démarche et suivi d'encadrement avec des partenaires, donc des intervenants psychosociaux du CISAT. Donc, que le conseil municipal mandate Michèle Bourque, responsable de la bibliothèque ou sa représentante légale. Elle est donc autorisée à signer et à soumettre au ministère de la Sécurité publique pour le nom de la Ville cette demande d'aide financière ainsi que tous les autres documents qui sont requis pour donner plein effet à la présente résolution. J'en fais donc la proposition. Je vous remercie, Mme Laverdière. Ce sera appuyé par… Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci. Alors, on a quand même fait plusieurs demandes de subvention. On va se croiser les doigts. On va recevoir des bonnes nouvelles. À l'item 6.1, la nomination au poste, cadre responsable de la paix au service de la trésorerie. Ce sera proposé par… Je vais en faire la proposition. Donc, Stéphanie Lauzon-Soit est nommée au poste de cadre responsable de la paie au service de la trésorerie sur une base régulière à temps complet, rétroactivement au 8 janvier 2024, suivant le salaire prévu à la classe 10, échelon 2, de la classification salariale des employés cadres et aux conditions prévues à la politique de conditions de travail applicable à ce groupe d'employés. Stéphanie, bravo, félicitations pour cette nomination. Bravo. J'en fais la proposition. Parfait. Même si on sait que c'est unanime, je vais prendre un appui. Ben oui, je vais appuyer. Félicitations. Monsieur Gagné, merci. Alors, nous sommes à 7.1. Renouvellement de mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme. Ce sera proposé par… Par moi, Mme la mairesse. Donc, les mandats de tous les membres du comité consultatif d'urbanisme sont échus, puis la nomination et la durée des mandats de ces membres-là du comité, c'est encadré par le règlement 2002-9. Les membres ont été consultés quant au renouvellement de leur mandat. Les commissaires Sarah-Ève Canuel, Geneviève Larche, Jacques Sylvestre et Nancy Saint-Yves sont favorables au renouvellement de leur mandat. Attendu que le siège de feu René Fontaine est vacant et que les commissaires Jacques Martin, Dominique Morin et Carmela Côté ne souhaitent pas procéder au renouvellement de leur mandat, il est donc recommandé au conseil municipal de renouveler les mandats de chacun des membres du comité le désirant et de confirmer la conseillère Sylvie Hébert à titre de commissaire membre du conseil municipal.
Le conseil municipal est d'accord avec cette recommandation. Donc, il est proposé que le conseil municipal entérine la reconduction du mandat respectif des membres du comité d'urbanisme, comme indiqué au tableau suivant. Donc, le tableau qui comprend les noms de Mme Sarah-Ève Canuel, Mme Geneviève Larche, M. Jacques Sylvestre et Mme Nancy Saint-Yves et de Mme Sylvie Hébert pour, dans le fond, des mandats qui commencent le 15 janvier 2024 et qui se terminent, dépendamment là, des personnes, selon des dates différentes. Donc, c'est en 2025 pour tout le monde et pour M. Sylvestre et Mme Hébert, c'est en 2026. J'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Turcotte, et ce sera appuyé par… J'appuie cette proposition, Mme Mérès. Merci, Mme Laverdière. À l'item numéro 8, il s'agit de l'octroi de gré à gré d'un contrat de service professionnel pour la réalisation d'un mandat d'équité interne pour les divers emplois de la Ville de Val-d'Or. Ce sera proposé par… Par moi, Mme la mairesse. Donc, tandis que la Ville désire être accompagnée par une firme externe afin d'établir une démarche d'optimisation d'équité salariale pour l'ensemble de ses employés, la Ville a reçu une offre de service de Normandin Baudry Gestion Privée Incorporée estimée au montant de 88 000 $. Et recommandation est faite au conseil municipal d'octroyer ce contrat de gré à gré en vertu de l'article 11.2.4 du règlement 2018-12 sur la gestion contractuelle. Étant donné qu'il s'avère plus avantageux pour la Ville de procéder ainsi en raison de l'expertise reconnue de cette firme dans ce domaine. Donc, il est proposé, Mme la mairesse, que le conseil municipal autorise l'octroi de gré à gré de cette démarche d'optimisation d'équité salariale à Normandin-Baudry au montant de 88 000 $ et que Mme Diane Boudoul, directrice du service des ressources humaines ou son représentant légal, soit et est autorisée à signer tout document nécessaire afin de donner plein effet aux présentes résolutions. J'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Gagné, et ce sera appuyé par… Par moi, Mme la mairesse. Merci, M. Saint-Jules. Alors, nous sommes maintenant à l'item des dérogations. Donc, si l'un d'entre vous est présent pour faire valoir son point de vue concernant une demande de dérogation qui est à l'ordre du jour, je vous demande de vous lever, vous nommer et m'adresser votre question ou vous donner vos commentaires. Tout est correct. Alors, nous allons tout de suite procéder à la première demande de dérogation concernant l'immeuble situé au 955 rue Charest. Ce sera proposé par… Alors, une demande de dérogation mineure a été présentée par Claudide Martel et Mathieu Berthaud concernant la propriété située au 955 rue Charest. Cette demande consiste à fixer à 3,78 mètres plutôt qu'à 3,5 mètres, comme le prescrit la réglementation, la hauteur maximale des murs applicables à un garage privé isolé sur la propriété ci-devant désignée. Le comité consultatif d'urbanisme recommande le refus de cette demande. Le conseil municipal est d'accord avec cette recommandation. Les personnes intéressées par cette demande ont eu l'occasion d'être entendues par le conseil municipal et de transmettre leurs commentaires au cours de la période de consultation tenue à cette fin. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Hébert. Alors, ce sera appuyé par… Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Lavoie. À l'item 9.2, il s'agit d'une demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 423 route des Campagnards. Ce sera proposé par… Alors ici, c'est une demande de dérogation mineure qui a été présentée par Jeff Audi concernant la propriété située au 423 route des Campagnards. Cette demande consiste à fixer à 6,58 mètres plutôt qu'à 12 mètres, comme le prescrit la réglementation, la marge de recul avant applicable à l'agrandissement projeté de la résidence principale érigée sur la propriété. Le comité consultatif d'urbanisme recommande non seulement l'acceptation de cette demande, mais également de fixer à 6,45 plutôt qu'à 12 mètres, comme le prescrit la réglementation, la marge de recul avant, applicable à l'agrandissement projeté de la résidence principale érigée sur la propriété, ainsi que de fixer à 18 degrés plutôt qu'à 12 degrés la variante maximale autorisée à l'angle de la façade par rapport à la ligne de la rue. Le conseil municipal est d'accord avec cette recommandation. Les personnes intéressées par cette demande ont eu l'occasion d'être entendues par le conseil municipal
et de transmettre leurs commentaires au cours de la période de consultation tenue à cette fin. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Hébert, et ce sera appuyé par… Par moi, Mme la mairesse. Merci, M. Saint-Jules. Alors, l'item 9.3 a été retiré. Nous sommes maintenant à 10 pour les questions diverses. Il n'y avait pas de questions diverses. À 11, aucune correspondance, Mme la greffière, non? Merci. À 12, période de questions réservée au public. Alors, il n'y a pas de mouvement pour les inviter à venir au butin. 12, c'est fait. Nous sommes maintenant à 13. La prochaine séance, je vous rappelle, elle est le 5 février prochain, à l'heure habituelle, naturellement 7h30. Alors, avant de faire la levée de la séance, je pense qu'on avait quelques petites annonces communautaires. Commençant par… Non, allez-y. Madame Laverdade. En fait, c'était tout simplement pour vous informer que Cité Polaire, vous avez peut-être vu passer quelques publicités pour la vente des passeports, qui est maintenant terminée, mais les billets sont en vente présentement pour Cité Polaire. Donc, c'est le rendez-vous festif cet hiver à la Cité de l'Or. C'est un peu pour tous les nostalgiques de ces nuits polaires qu'on a vécues ces dernières années. Donc, d'aller fêter un peu dehors le 1er et le 2 mars prochain, avec commande bar et avec Valère, ainsi que d'autres prestations durant les soirées. Donc, je vous invite à aller voir soit le site culturevd.ca ou le site Internet de la Ville de Val-d'Or. Vous allez pouvoir retrouver les liens pour accéder à l'achat des billets pour ces deux super soirées. Parfait. Merci. Est-ce que vous aviez d'autres mentions? Non, pas pour les remarques. Je m'en garde pour plus tard. Parfait. Alors, M. Lavoie? Oui, moi, c'est une invitation de la part du marché public de la Vallée de l'Or. Donc, il y aura 3 marchés hivernaux. C'est les dimanches 28 janvier, 25 février et 24 mars. C'est à l'intérieur, rassurez-vous. Il y aura 13 kiosques, alors c'est une invitation. Ça sera de midi à 15 heures. Vous pouvez visiter le site ou la page Facebook du marché public. Merci, M. Lavoie. Alors, si on n'a pas d'autres annonces en ce début d'année, je vais prendre une résolution pour la levée de la séance à 8 heures juste. J'allais le dire. Oui, 20 heures. Ça sera proposé par… Par moi, Mme la mairesse. Merci, M. Turcotte. Et ce sera appuyé par… Je vais appuyer. Merci, M. Lavoie. Alors, merci à tous. À la prochaine.